Salut. Bienvenue pour cette chasse Pokémon numéro 2. Donc aujourd'hui on est avec Evelyne. Salut. Kylian, la team rouge, c'est pas grave, on lui en veut pas. Et Tommy, qui joue pas à Pokémon, ouais, mes cousins. Et donc on est parti pour aller jusqu'à Jumbo. Bon, pour ceux qui savent pas où on est, donc on est actuellement ici. Et on va se diriger vers Jumbo, qui est donc à peu près 1 km peut-être. Un truc comme ça, j'en sais rien. Voilà. Donc faudrait peut-être que j'allume Pokémon Go. Ce serait intéressant comme concept. Alors il y a une amie à moi qui m'a appelé hier, qui m'a demandé comment on joue Pokémon Go. Alors c'est très simple, tu télécharges l'appli, tu choisis ton Pokémon. Alors il y a une petite nuance au début, c'est quand on va vous demander quel Pokémon choisir au début, vous continuez à marcher et vous devrez trouver Pikachu. Là, vous capturez pas les trois Pokémon qui sont là, vous attendez un peu, vous marchez un petit peu, vous allez trouver Pikachu qui va spawn quelque part. Et donc c'est une des façons pour trouver le premier Pokémon entre guillemets rare du jeu. Pour trouver des Pokémon un peu plus rares, on utilise le site Pokévision, comme ça on voit un peu où ils spawnent. Et tout à l'heure par exemple on a trouvé Carapuce là-bas. Et en fait on voit le temps de pop et de dépop, ça c'est cool. Donc là on est toujours en train de marcher vers Jumbo. Ok les amis, direct live, la reine bleue a été down par les rouges, c'est parti. Ils ont buté un Arcanin 1900, c'est des malades. Donc ils ont mis quoi? Ils ont mis un Hippocampe 400 à la place. Attends, ils ont down un Arcanin 1900, maintenant un Hippocampe 400. Ils se foutent de ma gueule hein. Mon cousin Kylian est dans l'équipe rouge, il va essayer de renforcer la reine. C'est enfoiré là. On va essayer de la péter la gueule avant qu'il arrive dessus. C'est parti pour le combat. C'est le fight de l'année hein. C'est le fight de l'année. Ok, hippo séant, c'est bon. On va essayer de dire maintenant le tentacruel du cousin. C'est parti. Ok. Alors plus on descend, plus les Pokémon c'est de la merde hein. Je vais juste pas à vous. Moi je subis actuellement un bug du jeu. La reine est morte ou pas là? Non. Regarde ça mec. Tu comprends pas ce qui se passe? Je sais pas mec. Le temps s'est écoulé. Le temps est écoulé, bah oui forcément s'il y a un bug. Ok les amis, deuxième tentative pour dans la reine rouge que mon cousin contrôle. On essaye de bouger un petit peu. Attendez 30 secondes. Hey! Vous êtes quelle team? Aidez-moi! Ok, j'ai trouvé un bleu pour m'aider. Mais un Pokémon électrique, mec, il y a Tentacruel, c'est à lui! Ok, j'ai perdu les trolls, c'est pas grave. On est sur du roux carnage. On charge. Je vais mourir, hein! Pêche! Nosferatu Tentacruel, c'est la merde. C'est vraiment chaud. Nosferatu Tentacruel, on charge l'attaque. Oh là 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 là! Allez Magneton, c'est le dernier espoir contre Tentacruel. Mec mais c'est quoi ce Tentacruel qui résiste à... Oh! C'est bon. On a dans l'arène. Mec mais les Pokémon dessus dépêche. Dépêche. Dis qu'on va d'arène gagner, c'est bon. La médaille. J'ai trouvé un gars qui m'a aidé pour l'arène. Enfin il était pas beaucoup mais c'est pas grave. Mais c'est quoi ça? Mais en fait il était jaune. Espèce de traître! Espèce de traître! Il sait pas moi. Ok, le mec qui m'a aidé, c'est un traître. Le gars sans c'est un bleu et finalement c'est un jaune. Oh, c'est vrai. C'est deg. Est-ce que j'ai un Pokémon haut? Est-ce que j'ai un Pokémon haut, mec? Ouais, c'est ça le. Entre deux Pokémon de chaque équipe, hein, c'est toujours cette rage. C'est pas grave. On a l'habitude de toute façon. On va tenter de taper encore. Ok, deuxième tentative de combat. Cette fois, on va descendre l'arène jaune. C'est parti. Eh, mon électrode pas mal quand même pour le Magmar. Hein. J'ai un électrode 400 et le Magmar 700. Et je suis déjà à mid-life pour lui. Quand tu me diras, Pyro contre Magmar, c'est pas très utile. Oh là là. Voilà comment on donne un Magmar avec deux Pokémon. Wouh. Ok, arène bleue, donc là ce qu'on fait c'est qu'on va vite dans la boutique et on récupère le bouclier pour avoir les petites pièces d'or. Et voilà, on a déjà fait notre petit match d'arène pour de l'après-midi. Ça c'est déjà fait, maintenant on va juste ranimer tout le peu qui est mort là. Il y en a qu'un d'ailleurs qui est mort. Et on va soigner ça et on va continuer notre petit voyage jusqu'à Jumbo. Donc là je vais vous montrer comment on augmente la réputation d'arène pour qu'elle soit plus difficile à prendre. Donc là vous voyez j'ai mon Magneton 287 et je vais lui envoyer un Voltorb 11 pour qu'il se fasse défoncer. Et comme ça la réputation de l'arène augmente. Allez. Bah, je vais laisser mon Voltorb se faire tuer. Ouais, comme ça. Oh là là, pas très efficace forcément.
Et donc la reine a pris quand même 2000 points de réputation avec un Pokémon. Si elle passe à 8000, ce sera pas mal. Là je vais lui envoyer, on voit quoi, je lui envoie un Rattata. Ouais, allez. Donc voilà, je t'ai envoyé le Rattata et laisser le Rattata se faire tuer. On va voir si ça arrive. Ah, ils sont en fond. Il y en a deux là-bas aussi, juste derrière. Tu vois là. Enfin, il y en a un. Alors ? Ça avance ? Ouais, ouais. Hein ? 30 secondes, vous êtes là. C'est quoi ? Dans 15 secondes, vous êtes là. Ok, attends. On va la reprendre. Eh, hey, vous êtes quelle équipe ? S'il vous plaît. On va pas les couilles. Voilà comment se prendre un bois à Pokémon Go. On va retourner, on va pas aller chez Jumbo, je vois. Ouais. Mec, j'ai même pas vu l'attaque. J'ai même pas vu qu'il m'a J'ai même pas vu l'attaque. Il y a 4 kilomètres, 2 kilomètres. 8 kilomètres. Ah ouais. Attends, il a même Pokémon que moi. Non mais toi, tu fais rien, toi. C'est pas... C'était foncé. Ah mais il tient, mec, hein. Tiens. Il est mort. Hé, c'est pas à toi mettre les Pokémon, mec. Je suis en train de la défoncer. T'es prêt? Vas-y, mets les Pokémon. Mets-tu. Rouge. Mais attends, mais qui met des aides pour ce moment? On peut s'aider entre... Ah, c'est cool ça, je sais pas. Ça va, elle est pas très forte. En fait, j'ai dû de ranimer mes gars, en fait, parce que là, ils sont un peu crevés. Ok, les gars, on est en compagnie de Victor, enfin Leblon, pardon, et Kylian, donc deux coéquipiers de l'équipe rouge. Moi je suis dans la bleue, on essaie de down pour l'instant l'équipe jaune qui a deux aqualis sur la zone. Moi j'essaie de revenir dans le jeu. Et il a très belle arène de la sirène. Ok, donc on va pas aller chez Jumbo, on va aller jusqu'au fond de mer, en fait, parce qu'apparemment il y a un tétard qui a pop. Enfin qui va pop, enfin il a pop pas déjà. Ouais, ok, il est déjà là-bas, il nous reste 12 minutes. En fait on peut voir ça, on peut voir le temps en fait grâce au site Pokévision. Parce qu'on a déjà dit ça à 30 secondes. Et du coup voilà. On va se diriger là-bas et on va essayer de le capturer. Alors il faut savoir qu'au niveau 12, quand vous passez au niveau 12, vous gagnez des super balles, donc ça c'est pour attraper les Pokémon un peu plus difficiles à choper et c'est pas mal. On a accompagné notre ami Victor Leblon, toujours. Salut. Ok, donc là on est sur les traces d'un tétard, c'est ça? Il est où? Ouais, il est là. Ah merde! Tu vas l'avoir là bientôt. Hop. Ouais. Il est sur la plage. Alors, on va tenter la super balle, première fois. Et je rate. Je vais arrêter d'utiliser mes super balles. 70. Toi aussi? Non, 478. Ah t'es sérieux, j'ai utilisé 5 super balles. Ça a pas touché. Je prends une pokéball, ça le touche direct. C'est la capture. Oh là là, putain. Oh le rage. Ok, donc on est en train d'essayer de se reconnecter au serveur Niantic parce que là les serveurs sont un petit peu surchargés. Là on est sur un Pokéstop, c'est une aire de jeu pour enfants. Voilà, donc ça c'est la Pokéstop et on essaie de prendre... Vu que quelqu'un a mis un leurre dessus en fait. On va essayer de voir si ça fait des Pokémon un peu stylés qui arrivent. À part les Rattata. C'est un pote à Kylian qui lui envoie ce Pokémon ultra pété. Après on a ça. Allez, moi c'est team ultra pété là. Attends, regarde ça. Vas-y, montre les tiens. Les gars, on est vrais team. Ok, donc là on était en attente, on a vu que l'arène a été blanche et maintenant elle est passée jaune. Ok, bah... Ouais bah comme d'hab hein, tu me diras. Mec, ils ont mis quoi sur l'arène jaune? Il y a un gros truc là, c'est l'évolution de Ferrosinge. Colossinge mon gars, mais c'est quoi, c'est malade. Bon allez, on va essayer de le down. On y va? On va essayer de down le Colossinge de l'équipe jaune. Ça l'a wifi avec toi. C'est bon, ça normalement. Tu squash aussi. Non, ça devrait être bon comme ça. C'est bon, c'est d'hab, on va te chercher des Pokémon. Voilà, comment on s'est connecté à Pokémon Go tous ensemble avec la Wi-Fi. Voilà. Super. Et c'est à même surchargé. Ah oui, d'accord, réessayez, allez. Lorenza. Ça va? Non, allez, mais quelqu'un je suis qui ne joue pas à Pokémon Go, c'est pas grave. Je ressemble à un ton, je retourne dans mon habitat naturel. Vas-y, fuis. Au revoir. Alors, en attendant que les serveurs se rallument, parce que j'ai l'impression que les serveurs ont été massacrés. On va pouvoir parler de la phytothérapie. Donc phytothérapie c'est quoi? C'est une thérapie à base de plantes et de phytoplancton. Donc, c'est l'alliage en fait entre les plantes sous-marines et
Est-ce que ça s'apparente à être un bouquet? Alors ça s'appellera le bouquet de la flore sous-marine. Je dis de la merde en fait, hein, totalement, parce qu'on attend que les serveurs se rallument. Et on n'a jamais vu un down de serveur aussi important. Peut-être que les gars sont fait hacker, on sait pas. Et on n'arrive toujours pas à se connecter au serveur, ça devait être le fight de l'année. Contre un colossinge. Deux rouges, un bleu. Ça devait être la bataille la plus épique qu'on n'aura jamais vue sur cette chaîne. Enfin, je sais rien, parce que c'est la deuxième vidéo. Hein. Et du coup, voilà. Là, on attend. On se fait chier. Voilà. Bon, j'ai l'impression que là, nos internet bug à mort. Même on est en wifi avec la box. On est en 3G, ça bug à fond. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher un truc à boire pour Evelyne parce qu'elle a soif. Ouais, c'est sûr que là en plus on est quoi, 2h30 qu'on marche. Et voilà. On va se diriger ensuite vers la mairie pour voir s'ils ont le même souci que nous. Ça devrait être les meutes, c'est le même souci je pense. Les gars qui arrivent pas à contrôler leur arène comme ça, les gars qui craquent. Les gens qui traversent la route comme moi, sans regarder son chemin. Heureusement qu'il y a des gens autour de moi, qui traversent avec moi. On va rentrer chez Jean-Paul C, c'est parti. Non, je... Ouais, quand j'ai plus de Pokémon Go, je dis vague. Voilà, c'est la fin. Tommy, est-ce que tu peux faire un crédit s'il te plaît? Ta maison. Non. On va trouver ça, non? Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo, on a essayé de combattre un peu d'arène, on a essayé de capturer des Pokémon. On a essayé de faire un prank, ça a pas du tout pris, pas pour un mec qui a cru que c'était vrai. Bon, en tout cas on a fait une belle rencontre, Victor Leblond de l'équipe rouge. Et Kylian, je viens de rencontrer lui parce que c'est mon cousin. Du coup voilà, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine, allez salut.